tout le monde, c'est Let's Go, comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Paper Mario The Origami King. Effectivement, il vient de sortir aujourd'hui et puis on va y jouer. Malheureusement, j'ai pas de son dans mes écouteurs. Je sais pas pourquoi ça, je les garde. Ou sinon, ben ça fait plus stylé, ça fait plus professionnel, tout ça. Donc, ouais, on va laisser ça là. À moins que... Vous voyez, c'est ça le problème. Si moi je me mets. Si moi je plug ça, vous allez rien entendre. Mais si moi je déplug ça, c'est moi qui vais rien entendre, puis vous allez tout entendre. Vous comprenez un peu? C'est ça qui est difficile un peu. Donc je préfère nettement mieux ne plus avoir d'écouteurs que vous allez entendre des affaires. Alright! Donc effectivement, il vient tout juste de sortir. Moi, je viens tout juste de me lever. Je suis très fatigué parce que je me suis levé à 5h du matin parce qu'il y avait la grosse Armageddon dehors. Hein. Hey, des gros éclairs, des gros tonnerres. Je me suis réveillé à cause de ça. J'ai pas été capable de dormir. J'ai pas COVID, écoutez-vous pas. Juste pour vous dire que je suis très fatigué à cause de ça. Mais je suis quand même très content de jouer à Paper Mario. J'ai joué à pas mal toutes les Paper Mario. Si je me trompe pas, il y en a eu deux qui sont sortis. Un sur GameCube, puis un sur la Wii. Les deux, j'y ai joué, puis les deux, je les ai adorés. Je me rappelle plus de celle sur la Wii, pour la simple raison que celle sur GameCube, j'étais trop jeune encore pour m'en rappeler totalement. Je sais que c'était un avoir avec des théâtres et des shit de même, nous. On s'en calisse. Donc, c'est parti pour environ 30 minutes de. Non, ouais, 30 minutes de gros tournage. Ça va être une vidéo à l'arrache comme ça pour la simple et bonne raison que c'est un gameplay. Il y a beaucoup de personnes qui me disent. Beaucoup de mes amis qui regardent mes vidéos et qui me disent. Ben là, pourquoi est-ce que genre, tu fais des vidéos de 30 minutes? Pourquoi tu fais pas genre du montage? Genre, oui, je fais du montage seulement quand c'est nécessaire d'en faire. Quand c'est un gameplay. Je vais juste replacer la caméra. Voilà. Ok. Ça fait plaisir d'être à nouveau sur la route ensemble, pas vrai, frérot? Et pour aller à un festival en plus. Ah, go kart! C'était écrit quoi sur l'invitation déjà? Origami Fest? Je me demande bien à quoi ça va ressembler. En tout cas, je suis pressé de revoir la Princesse Peach, ça fait un bail. C'est quand même très beau, actually. Ah, j'adore tellement ça, Paper Mario. C'est vraiment des beaux graphiques pour un paper. Genre, pour en mode papier, genre. Je sais qu'avant, c'était bien moins beau que ça, à cause que c'était pas genre en mode origami, tu vois. Là, c'est en mode origami. C'est ça qui fait, c'est ça qui rend plus beau la chose. Avant, c'était comme vraiment juste en papier. C'est ça que j'aimais aussi, ça faisait beaucoup plus cartoon. Mais bon, c'est pas grave. Hein? Là, moi, je peux pas rien entendre, by the way. Hein? C'est ça qui me fait chier. On y est, Toadville. Et voilà le château de la princesse. C'est très beau, Hachi. C'est très beau, je trouve ça très bien fait. Des jeux de même, ça doit tellement prendre du temps. Avec tous les plis et tout ça à faire, genre. Mais, où est passé tout le monde? On a raté le festival ou quoi? On a raté. Oh my god. J'espère qu'on s'est pas trompé de jour. Tu veux bien vérifier la date, Mario? Vous êtes cordialement invité à l'Origami Fest de Toadville qui aura lieu cette année, le XXOO. Venez, je vous attends, Peach. Non, on s'est pas trompé. Peut-être qu'ils ont pris du retard sur les préparatifs. Peach est sûrement au château. Allons voir là-bas. J'aime le kart aussi. Il va sauter, je suis sûr. Ah non. Même s'il saute, ça sert à rien parce que. On est juste à côté du château. Fait que... Ah ouais, c'est très beau! Thank you.
C'est dommage, je peux pas entendre les belles musiques. Nous y voilà, le château de Peach. Wow. Je vais aller me stationner. J'ai pas de monnaie pour le voiturier. Oh my god, des voix. Des voix comme de côté, c'est weird. On vient de voir Luigi de côté, c'est quand même assez weird. Ah, what the fuck, ok. Désolé pour l'attente, frérot, et maintenant, allons saluer la princesse Peach. Ok, voilà, je peux jouer. Ok, là, je saute comme ça, hein, ok. Ok, ça c'est... Ok, Y, c'est pour mon inventaire. J'ai-tu d'autres boutons? Ça, c'est Start. Ok, ça, c'est mes objets. Puis, attends, dans le jeu Start, ok. C'est RB pour... Ben, L plutôt, là, lol. C'est L pour... ouais, c'est bon, alright. On y va. Ouvrons la porte pour aller au château de Peach. C'est un peu lugubre par ici, non? Et puis, ça manque un peu de Toad, tu trouves pas? Oh non, j'ai oublié notre cadeau pour la princesse dans la carte. Je vais aller le chercher rapidement. Ben vas-y, esti. Oh. Oh oh, la porte est verrouillée. Ok, on va mettre les... on va mettre la sorte pour vous autres. Je n'aime pas ça. Comment je sors, moi, maintenant? Mais pas de panique, frérot. J'ai l'habitude. Il suffit d'attendre que Mario vienne nous sauver. Ah, ou pas. Bon, pas de panique, c'est tout simple. Il suffit de trouver la clé qui ouvre cette porte. Je m'en charge. Dis à la princesse Peach que je ne serai pas long. D'accord, à tout de suite. Ciao là. Ouais, les décors, c'est vraiment très beau. Ah, oh, j'aime tellement ça. J'avais tellement manqué de jouer à Paper Mario. Il va y avoir le dialogue avec la princesse Peach. Ah, Mario! Ça, là, je l'ai vu dans le trailer. Ouais, avec cette Peach-là, là. Je suis si heureuse de te voir. Ok, vraiment pas belle. Je voulais justement te demander... Ne penses-tu pas que le royaume champignon devrait se déployer? Qu'il lui faut un nouveau patron? Non. Et ces Toad bruyants me chiffonnent. Ne pourrait-on pas ne faire les faire taire à tout jamais? Je vois encore une chose. Te plieras-tu à ma volonté afin de renaître comme je l'ai fait? Non. Non, 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 non. On va rester au Warrior Styles, ok? Ta réponse est d'une platitude navrante, exactement comme toi. Le plancher va s'ouvrir. Puis il va tomber. Je l'ai vu ça dans l'annonce. Mario! Tu aimes bien faire une entrée remarquée, toi, pas vrai? Toi aussi, tu es venu pour l'Origami Fest, le plus grand festival d'origami du royaume. Nous faire patienter dans un faux cachot. Quelle super idée, j'adore! Tu n'aurais pas vu Maître Bowser dans le coin par hasard? Ce n'est pas dans ses habitudes de nous laisser seuls comme ça. Ah, Mario, ça alors, quelle bonne surprise. Je suis ton plus grand admirateur. Je veux dire, j'ai toujours rêvé de t'affronter. Ok. Ah là là, d'abord là, Princesse Peach, et maintenant toi. Tout le beau monde est là. Mais la princesse m'a fait une drôle d'impression. Quelque chose avait l'air de la froisser. Mais oui, of course. Venez avec nous. On dirait des robots.
On va où? On va où? On va voir un toad? Oh, j'espère qu'on va voir un toad. J'en ai encore jamais vu. Ouais, ok. Le gars, il est nouveau. Non, pas à toi. J'espère que tu ne te feras... Non, j'espère qu'on ne te fera pas attendre trop longtemps, Mario. J'irai saluer la tourne pour toi. Merci. Hey, c'est gentil, ça. Il se passe quelque chose. Ils vont toutes les transformer en... ok. Ils vont toutes les transformer en origami, puis ils vont tous devenir des robots. Je suis sûr et certain. Bon. Mario. Tu t'appelles Mario, n'est-ce pas? Mais comment tu sais? Tu veux bien m'aider, dis. Je suis coincé entre deux dimensions. Enfin, je crois. Ce qui est sûr, c'est qu'il fait tout noir et je peux à peine bouger. Oh, mais ça va. Ne t'en fais pas. Je tiens le coup. Je commence à trouver le temps long, c'est tout. Ok, mais comment tu veux que moi, Mario, être de dimension en dimension? Je peux aller de monde en monde, mais pas de dimension en dimension. Mais entre deux dimensions plutôt. C'est cave, là. Alors, ce n'est pas trop demandé. Oh my god, moi je regarde la TV là. Excusez-moi, je vais. Ouais, ok. Alors, ce n'est pas trop demandé. Tu crois que tu pourrais me faire sortir de là? Non, pas vraiment. Je savais. Je savais que c'était ça. Tiens, j'aperçois la lumière. C'est un cercle de pouvoir, dit. Oh, j'en suis sûr que c'en est un. C'est une merveilleuse nouvelle. Enfin, je pense. Je n'ai aucune idée de comment on l'active. Tu vas trouver, tu crois? Ben, je sais pas, là. Bris multiplié. What the fuck? J'ai l'impression que tu as réussi. Tu remarques un changement au niveau de tes bras? Ben oui, je les remarque. C'est que tu as libéré la puissance des bras multipliés. Oh, multipliés, ils sont plus longs, puis ils sont aussi pliés. Le jeu de mon Nintendo. Ok, qu'est-ce que... C'est un pouvoir très très ancien. Ok. Tu veux bien t'en servir pour me sortir de là? Tu devrais pouvoir agripper quelque chose en même temps. À présent. Mais là, oui, il a grippé quelque chose. Je peux agripper le mur, c'est clair. Et si tes nouveaux bras n'en font qu'à leur tête, appuie sur R pour les remettre à leur place. Hein? Incline. Ok, ouais, mais toi, attendez là. Pourquoi moi ça marche pas l'effet gyroscopique? Right? Ça marche pas? Ça c'est. Mais plus à gauche! Plus à gauche! Je veux pas prendre l'autre. Je veux pas prendre l'autre. Les deux manettes BS pour jouer. Cause d'un, elles sont pétées les miennes. Ouais. C'est pas mal ça. Parce que. Celle-là, je peux pas l'utiliser dans la chose gyroscopique. Puis je trouve ça vraiment cave. Que je puisse pas. C'est quand même mon opinion. Mais je trouve ça quand même cave. Ouais, ok. On va aller voir ça. On va attendre pour voir si ça marche bien ou non. Puis, mise à jour terminée. Ok, c'est correct. Une mise à jour de la console, mais c'est la plus haute mise à jour que je peux pas avoir, là, moi. Ok. C'est quoi là? Il y avait fuck.
Wow. On se calme, on se calme, on se calme. À gauche. Waouh. Hurrah, je suis enfin libéré de cette affreuse prison. Oublie ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était l'angoisse totale là-dedans. Oh, ce n'était vraiment qu'un mur. Wow. Merci de m'avoir rendu ma liberté, Mario. À propos, je m'appelle Olivia. Je savais que c'est une fille. Je dois sans doute te redemander qui je suis et accessoirement ce que je faisais coincé, n'est-ce pas? Ouais, un peu, ouais. Je m'en fous un peu. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de placoter. On fera mieux de prendre nos jambes à nos coups afin... Enfin, à ton cou. À cause de la vol. Surtout parce que moi, j'en ai pas. Et tu me fais une petite place dans ta poche, dis? Ah ouais, là. Ah, je trouve ça nice. Ok. C'est là. Ouh. Un marteau! Ok. Oh, qu'est-ce que ça? Un truc qui... Oh my god, moi. Wow. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un truc qui écrabouille. Essaye d'appuyer sur B pour voir. Je m'appuie sur B as fuck. Bang. Vous allez voir, là, je vais avancer tout seul à un moment donné, ok? Puis quand je vais avancer tout seul, ben, vous allez voir. Je ne sais pas si mes idées seront toujours utiles, mais si jamais tu as besoin, tu peux appuyer sur X pour faire appel à moi et je ferai de mon mieux pour te conseiller. Merci. Je suis... j'ai tout de suite su qu'on allait former une bonne équipe, toi et moi. Dès notre rencontre, il y a 2 minutes. Ouais, c'est clair. Quand je dis que les choses sont fuckées, j'appuie sur rien. Puis il avance seul. Alright? Good, c'est pas grave. On y va! Laisse-moi voir. Oui, pas de doute possible. Il y a bien des cachots. Ils sentent tous la pierre humide et les espoirs piétinés. C'est clair, c'est clair. Ok, on va y voir par là, parce que c'est clair net que c'est pas par là qu'on aille. On va aller. Bang! Ben, ok. J'ai pu ouvrir toutes les portes, c'est la question. Ok. Elle est fermée de 1, fait que je peux pas. Dang. Ok. Hey, bats les pattes! C'est fucking Luigi, je suis sûr. Ah non, c'est Bowser. Arrêtez ça! Arrêtez ça tout de suite, bande de fripouilles! Ne touchez pas à mes sbires! Ou vous allez le regretter! Eh ouais, c'est ça. Check, ils vont les jeter là-dedans. Puis ils vont se transformer en origami. Wow, what the fuck? Wow, attends, ça sera pire. Ah, c'est vrai de ça que je pensais. C'est vrai de ça que je pensais. Je vous l'ai dit au début. Il faut qu'on y aille. Tu as vu quelque chose? Rien de trop terrifiant, j'espère. Ouais, non, juste un ancien ennemi. J'en ai fini avec ceux-là. Maintenant, autour du moustachu. Ah, il y a une chose que je dois te dire sans attendre. Tu vois, ces bonhommes, à la démarche un peu raide, c'est des origariers. Ok, des origariers. Fais très attention à eux, Mario. C'est vraiment des méchants et il faut pas qu'ils nous trouvent. Ok, c'est bon. De quoi ils pouvaient bien parler, à ton avis? Tu sais, quand ils ont dit « j'en ai fini avec ceux-là », comment ça finit? Juste prendre ça, là. Ben, ah, je sais pas. Ah oui, ok. Alright.
Bowser, je viens te secourir. Merci. Yo, Bowser, Mario, t'es ici toi aussi? Alors, qu'est-ce que tu attends? Aide-moi à descendre. C'est insensé de plier un roi comme une vulgaire affiche. Vous êtes un roi? Oh, c'est un honneur. Est-ce que tous vos sujets sont des têtes sans corps comme vous? Je suis un roi, tout ce qu'il y a de plus entier. Petite insolente, j'ai des bras de roi, un corps de roi. Tu ne reconnais pas Bowser, le plus grand souverain qui soit. C'est cette bande de mal pliés, mal poliés, qui m'a mis dans cet état. Dépliez-moi sur le champ. Mario, c'est le moment d'ignorer l'insolence de ton ami et de m'aider à descendre. C'est Bowser qui te l'ordonne. Je ferai la même chose pour toi. On doit se tenir les coudes et tu le sais. Avoue-le! Puis, si tu me libères, je te dirai un secret. Personne ne peut résister à l'idée d'un secret. Bouah! Ouais, true that, c'est vrai. Sir! Alright! Je me sens tout raplapla. Raplapla. Pas la force de me déplier. Enfin, chose promise, chose due, le secret, c'est qu'il y a une sortie cachée dans cette pièce. J'ai entendu les autres crapules en parler. Tu parles d'une bande d'amateurs. Trouve-la et je te ferai l'honneur de m'échapper avec toi. Maintenant, dépêche-toi, s'il te plaît. Ah, t'es gentil. Boum. Ah, pas d'autre affaire, le fucking bitch. Tu vois? Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Tu commences vraiment à prendre le pli de ses nouveaux bras. Plié, multiplié, excusez. Same shit là. Ok, on va sauvegarder un peu. Bang! Sauvegarde effectuée. Moi j'ai vraiment très faim. Sauvegarde effectuée. Oh, ça doit vouloir dire que notre aventure jusqu'ici est sauvegardée. Ouf! À l'avenir, on fera sans doute bien de sauvegarder à chaque fois qu'on verra un de ces blocs brillants. Ben oui, c'est le but aussi de la sauvegarde. Et au fait, tu sais qu'il y a aussi plein de choses utiles à découvrir en ouvrant le menu plus. Si tu veux modifier les options ou tu as besoin d'aide, n'hésite pas à consulter le... Ok, on va faire ça tout de suite, je vais voir quelque chose. On va faire avec bouton! Oh fuck, j'ai pas... C'est ça, avec bouton! Man, voilà. Ok, fait que là on va pouvoir jouer avec la manette, je crois. Anyway, on va voir avec la suite des expériences. Ah ouais, faudrait juste que je fasse Wesh là! Wesh là! Voilà, ok. Ben, ok. Merci d'avoir appuyé sur X pour m'appeler. Ce serait mon tout premier indice. Quel conseil on peut bien mener le passage. On peut bien mener. Ou. C'est sans doute un secret, ça aussi. Ouais, ouais. D'ailleurs, c'était tellement genre pas comme un indice. Là. Ok, en tout cas. Ok, y'a rien ici d'intéressant. Ralenti. J'ai mordu la poussière. Si quelqu'un. Ça va barder. Ok. J'ai pas trop compris. Ils s'en sortiront pas comme ça. Ouais, ok. Pfiou. Je vais aller aussi vite que je veux, ok. De 1. Tu peux te parler, lui? Non? Ok. Ok.
Elle ne peut pas voir. Pourquoi es-tu toujours plat? N'es-tu pas toujours prêt à te plier en quatre pour moi? Viens rejoindre-nous. Il n'est pas trop tard. C'est donc toi le grand Mario, celui dont la princesse Peach a une si haute opinion. Grammage idéal, grain harmonieux, beau spécimen. Oui, tu feras parfaitement l'affaire. Ben, merci beaucoup. Hein? Il ne te reste plus qu'à prendre le pli. Es-tu prêt à rejoindre notre cause sans faire d'histoire? Et moi aussi, je suis un beau spécimen. Bowser. Tu peux accepter le plein gré maintenant, ou attendre que je te force la main. J'essaie-tu? Bien essayé, mais je ne vais pas me laisser avoir par ton petit. Ah, okay. Regarde la princesse, quelle est belle mise en pli. Non, vraiment pas. Non? Tu ne trouves pas? Bah, tu changeras d'avis lorsque tu seras toi-même origamisé. Origuerrier, à vous! Bon, notre premier combat. Oh non! Je n'ai encore jamais vu un tel Origuerrier. Mario, tes amis de papier plat ressemblent à ça? J'ai même pas vu le moindre Toad. C'est ça en ton partout, vous pensez? Origamisation! Oui, ok, non, c'était bon ça. Ça, je l'aime tellement, ce mode de choses-là. Ok. C'est la première fois que tu affrontes un Ori guerrier, Mario, non? Tes pauvres cap. My God. Tes pauvres copains se sont fait origamiser et malheureusement, on ne peut pas les déplier. C'est dur de combattre d'anciens amis, mais si tu ne le fais pas, ils essaieront de te plier à leur volonté, toi aussi. Excuse-moi, mais c'était pas mes amis, ok? Bowser non plus. On est juste des ennemis qui jouent aux cartes de temps en temps. J'aimerais t'aider, mais mes petits bras se sont fait. Se sont, non, ne sont pas faits pour le combat. Je serai dans ton chemin. Oui, parfait. Tu vas devoir faire le gros du travail toi-même, mais tu peux compter sur moi pour t'encourager. Ben, merci. Ok. Redispose les ennemis. Ok. Tu as remarqué tout à l'heure le message combat par vague. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On est dans une zone inondable. Non, 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 c'est, je peux pas tour par tour, je pense. Je pense que c'est de quoi même. Peu importe, concentrons-nous sur cet ennemi pour le moment. Sur ces ennemis pour le moment. On aura le temps d'y penser plus tard. Mais moi, je pense qu'on peut battre eux autres, mais pas ceux qui sont sur le côté. Il va falloir qu'on attende qu'ils reviennent en avant de nous. J'essaie de les avoir. Oh, on est entouré par quatre origuerriers. D'où ils sortent, je croyais qu'ils en avaient qu'un. Moutou, actually Moutou. S'ils attaquent tous d'un coup, tu risques de passer un mauvais moment. Oh, j'ai une idée. Si on réussissait à les aligner, tu pourrais sauter. Ah, c'est ça que je pensais. Que tu pourrais sauter sur l'un à l'autre. Sur toute la rangée. Wow, yo. Sur l'un après l'autre, j'ai juste pu dire ça. Sur toute la rangée en une seule attaque. Non? Pif, paf, pouf, pouf. Ok. Ces anneaux nous permettent. Ces anneaux devraient nous permettre de déplacer les ennemis et les regrouper. What? En disant L, ok. Et A. Ok, à présent, fais pivoter avec L. Disposition réussie, bonus d'attaque. Ok. Figure-toi que quand tu réalises une super disposition comme celle-ci, tes attaques infligent 1,5 fois plus de dégâts. Ok. 1,5 plus de dégâts, c'est-à-dire une fois et plus qu'une fois, c'est quoi? Oui, j'espère. Ce qui est sûr, c'est que ça rend les attaques plus puissantes. Merci beaucoup. Donc, ça vaut le coup de causer la tête. De se creuser la tête pour essayer de bien disposer les ennemis. Bon, il est temps d'aplatir ces Goombas. Et avec une petite attaque sautée bien placée. Ok.
Ah, est-ce que je... Ok, faut que je pense que je pense pas sur A. Ok, non, faut pas que je pèse sur A. Okay. Ça marche, je sais pas que je pèse sur A à chaque attaque. À moins si c'était dans un autre jeu, je m'en souviens plus. Tu as été formidable, Mario. Je me demandais un peu ce que ça allait donner. Eh bien, je ne suis pas déçu. Merci. Tu as écrasé tous ces Goombas à une seule attaque. Merci. Comme quoi, ça valait vraiment le coup de les aligner. Ben oui, effectivement. Ah, dernière vague. Ok, il y a d'autres ennemis en plus. Oh, en voilà d'autres. Visiblement, parfois, il faut affronter les ennemis par vague successifs. C'est ça, par vague. Ok. Mais bien sûr, c'est que ça... C'est pour ça qu'il avait écrit qu'on va par vague au début. Ben oui, bravo. Ok, c'est la dernière vague. Ça devrait être bientôt fini. Encore un effort. Ceux-ci ne sont pas disposés de la même façon. Il vaut peut-être mieux sortir son marteau cette fois. Effective. Ben oui, je m'aurais dit pas. Oui, le marteau permet d'asséner un coup puissant dans une zone moins longue mais plus large. Ok, parfait. Ok. Oui, je sais comment ça marche. Oui, merci, je sais. Comme ça, tu fais ça, boum 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 boum, voilà. Plus 5 d'attaque, merci. Oui, je sais comment, merci. Tour de Mario. Ah ouais, c'est ça, je pense même que je suis pas sur A. Okay. Tu as vu ça et blam, 4 d'un coup, merci. Rapide, massif et écrasant. Mais n'oublie pas que si ton attaque a été aussi efficace, c'est parce que tes ennemis étaient bien disposés. Oui, je sais. La disposition qu'il faut donner aux ennemis n'est pas la même pour une attaque sautée ou au marteau, effectivement. Mais dans les deux cas, il faut essayer de positionner les ennemis le mieux possible avant d'attaquer. Ok, bonne chance. Yeah, j'ai eu 477, ok, quand même, what the fuck. Oh, impressionnant. Tu as aplati sans effort mon Goomba. Certes, c'est loin d'être une créature sanguinaire. Ça te piquait le moins. Bref, je vois que je vais devoir sortir l'artillerie lourde. Petit vol en plus. Petit kill. Mon frère! J'aurais dû me douter que tu étais derrière tout ça. Je te l'ai déjà dit, c'est pas du tout gentil ce que tu fais. Alors tu veux bien m'arrêter maintenant? Ma pauvre Olivia, il aurait mieux valu pour toi que tu restes dans le mur où je t'avais enfermé. Tu te dresses sur mon chemin, alors tu n'es plus ma sœur et tu ne partageras pas ma gloire. Ouais, on s'en colle de ta gloire, le gros. À compter de ce jour, je ne suis plus ton frère, Oli. Prosterne-toi devant le roi, Oli. Je ne prendrai aucun repos avant d'avoir fait plier ces taudes infâmes jusqu'au dernier. Ces sbires sans relief auront l'honneur de renaître à mon service en tant qu'ori guerrier. Oui. Je ferai plier, ployer et courber tout le papier de ce monde. Ainsi naîtra le royaume origami. Moi, je peux pas entendre ça, mais vous pouvez l'entendre. Est-ce que c'est beau? Ok, qu'est-ce qui se passe? Ça a genre une genre de protection, c'est ça? Oh! Parkour!
C'est comme dans je sais pas si c'est quoi le nom, je pense que c'est The Office là. Ça, c'est là qu'ils font le parcours là, qui parkour! C'est ça, c'est genre une barrière de protection. Ah non, ils vont s'envoler, ok! Luigi! Non! Non, Luigi! Attends, qu'est-ce que tu fais? Ok. Ok. Tu sais tellement pas conduire. Waouh, il nous a laissé là. Out of nowhere. Comment ça, du papier nous a fait autant tomber que ça? En tout cas. Oh, ok. Ça devient quand même assez intéressant, Chi. Encore une autre sauvegarde. Waouh, ok. Est-ce que tu penses que Luigi. Est-ce que vous pensez que Luigi est correct? Mais j'espère qu'il est correct. Ok. Voilà. Wouh! Yes sir! Ok, on va aller tester ça quand j'ai enlevé le. Olivia n'est pas avec toi. Sans elle, tu peux pas utiliser les bras multipliés. Ah ouais, for real, ok. Bon, bah écoutez les amis. C'est ça va être tout pour aujourd'hui. Pour cette vidéo-là, je vais faire une autre vidéo, mais je vais aller chercher une autre télé. Parce que cette télé-là, je peux pas utiliser mon. Croyez-vous que je peux tomber? Parce que avec cette télé-là, je peux pas entendre. Donc là, je peux pas entendre les sons et tout ça. Je trouve ça un petit peu plus dommage. Vous, au moins, vous pouvez entendre les sons et tout ça. Mais moi, non. Enfin, moi, je trouve ça dommage. On va s'arrêter ici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez commenter dans la section des commentaires pour me dire si vous l'avez aimé. Abonnez-vous pour rester au courant des prochaines vidéos. Hein? Le Let's Play n'est pas fini aujourd'hui, ce n'est que la première vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!